C'est vraiment... Ça va être festif. Hey, c'est la suite des choses. Ouais. Je suis contente d'être là. Oui, vraiment. Tu aimes au vol? Ouais. Peut-être t'es parti à l'aéroport. Ouais, j'ai fait des devoirs là. Ça, c'est un peu plus plate, mais bon. On est obligé de les faire. Ben c'était dans le deal, c'était dans le deal, qu'elle l'a suivi. On t'attend tellement sur le terrain là-bas. De préparer un spot là, avec le stuff à monnaie, là, c'est cool. My God. Vraiment le fun. Bon, le plaisir. On va aller voir demain, non? Aujourd'hui. Sérieux? Oui. On fait la gang. Hey, je suis sûr là, que j'ai plus de cheveux que tout le monde. Là. J'ai même ma tuque orange. Là. Robin va être content. Allô? Serge, mademoiselle. Il y en a ce que c'est. On est prêts? Ouais. On y va! T'es fait un nouvel ami? Oh my God, il est trop cute! Bon. Premier contact avec Liz, ça donne ça. Tu es contente? Oui! Oh! Je crois qu'il veut plus de la bouffe, là, mais c'est pas grave! Oui, vraiment! C'est mon friend, Rudolph! Ah, vous allez, on va rentrer dans le bois, aller faire un peu d'épicerie. Ouais, merci. On mange, hein? Ça se mange pas, c'est pas intéressant. Oh, ça, c'est intéressant, c'est un chip. Notre belle Hélène, comment ça va? Ça va bien, merci, ça va bien. Ça va super bien. Ici, Rosélie, on s'enregistre en fait. C'est ici qu'on vient récupérer nos cartes. On prend notre carte GPS aussi. Puis aussi ici, on va signer notre feuille de groupe. Parce qu'on a le droit à la chasse de groupe en ce cas-ci. Si jamais à la fin du séjour, il y en aurait qui n'auraient pas récolté, on peut se mettre à plusieurs pour aller récolter les serres qui restent. On prend nos permis ici aussi. Puis on a les conseils de la professional de la place. Rosalie, on est rendu à Lille. Mm-hmm. On est rendu à l'accueil. Tu as eu tes permis. Oui, on vient d'enregistrer ça il n'y a pas longtemps. C'est parfait. Il reste un morceau très important qui nous agace depuis l'hiver passé, et c'est ta tuque. Il me semble qu'elle est super belle. Non, mais la mienne est plus belle. Parce que la mienne, ouais, c'est un chevreuil, c'est l'île d'Anticosti, et elle est camo, qui va être moins frappant pour les chevreuils. Donc, voici. Merci. Au plaisir. À vous, là, ça fait bien. Elle, là, je commence à... Va falloir la mettre au pot. Ça va bien avec ton teint. Je n'aime pas le rose, je sais que j'ai l'air d'un vrai poisson. Tu sais que les filles ont plus de goût que les gars pour les vêtements. Ah ouais. Aller vérifier ça, si t'as encore le bon ajustement. Ouais, sûrement. Il y a un petit cadeau qui sont comme inclus avec ces auditions-là. Tu sais, t'as envoyé une vidéo, toi, pour te ramasser ici? Ouais. Ouais, je t'ai dit qu'il y avait d'autres petites surprises, t'attendrais peut-être. Mm-hmm. C'est question de voir ta cible sur le sens du monde. Ouais, moi, j'ai appelé chez Vortex, je leur ai demandé voir s'il y avait quelque chose de mieux pour toi.
Puis écoute, c'est ta première paire de jumelles officielles, mais je commence avec quelque chose de très bien. Je commence avec la Viper HD, qui est comme pas mal un des tops chez Vortex. Fait que autant pour ta chasse que pour regarder sur la cible, si t'es bien ajusté puis si tu tires juste. On commence avec du bon équipement. Je suis contente. Fait que là, ça va être toi qui va être responsable de nous dire si on tire correctement ou pas. C'est bon. Si on pourra tester ça sur le champ de tir, t'es prête? Oui. Yes, on y va. Oui. Merci. Est-ce que tu es contente? Oui. Faites-le, ça. Ouais. C'était le meilleur. Non, c'était droite. Check down. Et juste à côté de ton autre tir. Ah ouais? On va voir! On est prêt pour aller à la chasse. On le voit d'ici, là. T'es juste à côté de ton autre, là. Ah ouais? Oui. La première, t'étais mal placée. Tu t'es stabilisé. Mm-hmm. Les deux sont une à côté de l'autre. À peu près à un demi-pouce. C'est bon. Fait que t'es parfait. Il est mort, ton chevreuil. On s'en va dans notre première trail ce matin. Oui. Ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'un peu plus bas, il y a des éclaircies, puis il y a des points d'eau. Fait que ça se peut très bien que soit ce matin ou encore en transition un petit peu plus vers l'heure du dîner, là, ça se peut que ça se promène dans ce coin-là. Fait qu'on va se faire la trail à la marche en regardant comme il faut. Mm-hmm. Rendu dans les éclaircies, tu as des bonnes jumelles. Oui. Maintenant, il te manque quelque chose. Quand tu veux tirer sur un chevreuil, généralement, il faut que tu saches un peu à quelle distance est ton chevreuil. Mm-hmm. Mais c'est ce quoi? J'ai posé des questions à une compagnie. Et c'est Solène qui a répondu oui. Donc, ce qu'on va avoir pour toi, Martin, tu vas être équipé. Tu le baises là. Oh. C'est ce que c'est qu'un télémètre. Mm-hmm. Là, t'as le Vortex Ranger 1800. Écoute, ça peut aller chercher, là, ça peut identifier une distance jusqu'à 1800 verges. Mm-hmm. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. C'est pas gros, là. Honnêtement, là, regarde bien ça, là. On va sortir de son sac, on va pouvoir mettre la batterie avant de sortir. Tout petit, super facile d'utilisation. Tu as deux boutons, un pour le setup, sauf le menu comme tel. Mais je vais te l'arranger pour qu'il soit à la bonne place, de la bonne façon. Puis l'autre bouton sur le dessus, la mesure proprement dit. Puis c'est super simple. Hein? On prend l'appareil, là, puis c'est clic très rapidement, j'ai une distance. Puis maintenant, avec les technologies laser là-dedans, bien, tu peux suivre, puis ça va continuer à te donner la distance. Tu sais, quand t'es dans une cache, mettons, puis le bois en avant de toi, t'es pas sûr. Si t'en vas chercher la distance là, aux épinettes en avant, tu dis « Ah, OK, c'est 200 verges. » Moi, de mon côté, je suis un petit peu plus lâche. Mes jumelles qui sont des Vortex aussi, des Fury, j'ai carrément le rangefinder, le télémètre dessus. Fait qu'on va pouvoir, si t'as pas le temps de le faire, je le ferai pour toi de mon côté. De toute façon, ce matin, je te guide. Mm-hmm. Mais tu traînes ça avec toi, tu vas apprendre à l'utiliser. Merci. On va te mettre des batteries dedans, puis on va être prêt à y aller. Okay. Es-tu contente? Merci. Comment ça t'occupe un peu, là? Oui. On va commencer à faire des vélos. J'aurais moins senti le chevreuil.
comme ça, là, c'est vraiment un des plus beaux espaces d'anticosti. C'est souvent là-dedans qu'on récolte nos chevreuils. Okay. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coller aux arbres pour pas trop être repérable. On va prendre nos jumelles, puis on va scanner. C'est-à-dire qu'on va vraiment partir de nous. On regarde sur le long du bois. Puis après ça, t'as-tu vu, notre vent, il est comme ça. Mm-hmm. Puis on a un grand cadran de tourbière par là. Fait qu'on va pouvoir, en longeant les arbres, si on voit rien dans cette partie-ci, s'avancer un peu puis se refaire d'autres points d'observation. Puis si on a un point où est-ce qu'on voit loin, qu'on voit mieux, qui peut être dans le milieu de la tourbière ou sur le bord, on va s'installer puis rester là. Écoute, on peut rester une heure, deux heures, dépendamment. Comment tu files pour rester assis? Puis après ça, on retourne en arrière. Sur leurs traces, hein. Les bons signes, là. Regarde comment c'est labouré. Ouais. Depuis tantôt qu'on est dans ce piste-là, là, on tombe sur des patchs de terre virés comme ça. Là. C'est vraiment par ici qu'ils passent. Ils n'ont pas le choix, il y a un entonnoir entre les lacs. C'est encore étonnant qu'on ne soit pas tombé face à face avec un chevreuil. Puis ça peut se passer, là, parce qu'on est vraiment sur le sentier qu'ils peuvent utiliser ici. Ça a grandi. Oh my God! Donc, ben, hot! Hey, je n'avais jamais vu. J'ai l'impression que le soleil est en face et il a l'air à nous voir. C'est une oiseau nocturne, hein? Oui. Il est un peu stupide d'aller se placer là. Hey, j'en ai jamais vu. Hey, ouais. Il est complètement aveuglé. Il nous voit. Hey, son cou! Comment il fait pour tourner la tête de même? On essaie-tu? Je suis pas capable, ça. Ouais, on regarde les fesses en me grattant. Il est capable. Je suis sûr que oui. Ah, ben, t'es en plein jour, là, même. Ah oui, il s'est placé le soleil en pleine face avec Coco, mais il ne nous voit pas en tout. Il ne nous voit pas. Allô? Hey, Martin, des glosettes. Des glosettes. Il dit kéké. Puis il est frais, en plus, hein. Mm-hmm. Tu le vois bien comme ça, il est encore tout luisant. Tellement que tu différencies si c'est vieux ou jeune. Oui, c'est vrai. Ça fait pas longtemps que c'est passé, cette nuit ou ce matin. Okay. Sais-tu quoi? Il y a le chevreuil dans le coin. On est mieux de continuer, là. Hey, 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 hey! Tiens, mon beau. Oh, il est bien cute! Salut! Check, il est en train de. Ça va carrément vers ta cache, parce qu'en passant, où est-ce qu'on s'en va là, c'est la cache que Réal et Romain t'ont préparée. C'est l'espace Rosalie. Fait que là, si on suit le beau petit renard, il est bien cute! Il est vraiment cute! Il s'en va vers là, là. Ok. Et puis, il s'en va où est-ce qu'il y a le chevreuil? Monsieur le bon signe. On va le suivre. Tant que tu? Oui. Okay. En direct de l'espace Rosalie de Sans-Farce. C'est ça ici la cache que Robin et Réal ont préparée pour Rosalie. Donc un site spécialement aménagé pour elle. On a un petit ajustement à faire dû à la grandeur de Rosalie qui est en pleine croissance. Un jour elle sera grande. On a mis quelques coussins sous ses fesses. C'est question qu'elle soit à la hauteur de pouvoir s'accoter, pouvoir viser correctement. Il fallait une belle récolte.
T'aimes ça que je dise que tu vas grandir encore, hein? Mais c'est vrai. Fait qu'on s'installe. On est aux jumelles, on a quand même un beau terrain jeu. Là, on passe en mode silencieux, on attend jusqu'aux dernières petites lueurs du jour, en espérant qu'on ait une amie qui vienne nous rendre vite. Pendant ce temps-là, madame fait bien sa job. Oui, elle fait bien sa job. Yes. J'ai pris ta boîte. Sur le bord de la mer. Il faut que je la tienne pour qu'elle parte pour le moment. Ouais, on change un petit peu notre plan. Hey, mais la vue, c'est incroyable. Hein? Mmh. Mais c'est ça, en tout cas, si on a des vues comme ça, on a des paysages qui sont incroyables. Mais au moment où est-ce que au chalet, il peut faire gros soleil, faire super beau, on arrive sur notre spot de chasse comme ça, puis ça, il faut te mettre des transous dans les poches pour que tu partes au vent. Pas mal. Fait qu'à la place d'aller sur le bord de la mer, on va aller sur le bord d'une trail. C'est mieux, je crois. Mais écoute, c'est cœur. Hein? Ouais. C'est vraiment beau, là. C'est un paradis ici. Volants. Ils seront plus sur terre. Oh, tu tires au vol, on va essayer de tirer au pigeon d'avril. Un chevreuil qui passe. Oh. Oh my god. C'est des cerfs volants. Oh my god. Des cerfs volants. Hey, c'est-tu drôle? Oh mon dieu. Rosalie, on a fait de belles chasses ensemble.
On va être des chanceux, ils ventent pas à peu près, mais on a quand même fait deux belles observations. Hein? Une petite femelle sur le bord du chemin, une petite femelle en arrivant dans un sentier. Ils nous ont pas tout à fait donné assez de temps, mais on s'est fait du fun. Mm-hmm. Là, c'est le temps d'aller à la chasse avec papa. Yes. À date, de toute façon, ton père, c'est celui qui a récolté ses chevreuils, il a récolté deux femelles. Yes. Ben, c'est fait de ce côté-là. Des bons conseils. Ben écoute, on est à la place pour ça. Hein. L'avantage qu'on a, c'est qu'avec la chasse de groupe, on peut continuer. Donc, si tu voudrais récolter d'autres chevreuils, on est tous sur la chasse de groupe. Donc, juste traîner votre formulaire avec vous autres, c'est bien important. On peut récolter plus. Donc, vous partez à la chasse ensemble? Oui. Père et fille? C'est bon. Vas-tu être capable de l'endurer? Bien, certainement, si elle chante pas trop. Moi, j'ai entendu parler, c'est toi qui chantais pas mal. Ben, anyway! Savez-vous quoi? L'essentiel, passez du bon temps, allez à la chasse, faites-vous du fun, puis on se revoit tantôt. Excellent. Bonne chasse. Bonne chasse. Ma belle Rosalie, t'as une belle semaine à date, toi, là. Vraiment. T'as fait de la belle chasse, t'as fait une maudite belle approche. Les gars me racontaient ça. Juste, tu me racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on est parti d'environ 580 mètres, pas mal. Oui. Puis on s'est rendu juste à côté du chevreuil à 30 mètres. C'est une bonne décision, de un, de deux. Cette approche-là, c'est quand même de la chasse. Mm-hmm. C'est de l'apprentissage, puis de la belle apprentissage. Écoute, tu t'es approché à 25-30 mètres du chevreuil comme ça, là, c'est pas n'importe quoi, puis ça, c'est génial. Ce que je suis un peu moins fier, par contre, les gars me racontent que toi, dans une cache, tu ronfles. Je ronfle pas mal, tout! J'ai vu des preuves de l'inverse de ce que tu me dis. Je pense pas que c'est vrai, ça. Bon. T'aurais pas filmé ça, Nick, hein? Nicolas ne filme jamais ces trucs-là. On va laisser les auditeurs décider de la véracité de nos dires. Oh non. Avec Rosalie, le petit fin qui ronfle, et moi de lui répondre.
Ensuite de ça, eh bien, cet après-midi, une approche quand même sur un plus petit spécimen, un veau, qui va mériter un retour au chantier, peut-être un désajustement au niveau de la carabine. André? Ou une erreur de tireur. Ce qu'on va aller valider, dans le fond. Exactement, Martin, puis je le précise. Ce qu'on a fait ce matin, c'était une belle chasse fine. Le gros vent, la grosse pluie, c'était pas facile. Rosalie a marché. Ouais. On a marché plus de 3 km. On est tombé, si on peut dire, sur un veau qui est allé se cacher. Rosalie n'était pas à l'aise parce qu'il était trop dans les branches. Ouais. Pas de vital. Moi, j'étais confortable. J'ai pris le bâton de tir, j'ai fait feu. Je m'excuse pour la censure à la télévision. J'ai eu un miss, j'ai dit un gros mot, ce qui nous interroge un peu. Peut-être que la carabine manque un peu d'amour. Et ensuite, j'ai remis une balle dans la chambre, j'ai fait feu. Et puis, on voit à la caméra là, que j'ai passé à côté malgré ce que je pensais. Puis, on est allé voir, pas de sang et pas de poils, rien. Puis, on a cherché quand même la bête pendant une heure. Ouais, pas mal. Mais aussi, à ton deuxième coup, t'étais pas mal stressé parce qu'il y avait eu le miss. Oui. Fait que oui, oui. C'est peut-être ça qui a... Ça joue dans la tête. Ouais, l'expérience. Les bagages. On va retenir l'expérience. Ouais. Oh. Andréal! Hey, salut, bonjour, comment ça va? Bien, ça va bien, toi? Ça va bien. Allô, Rosalie, ça va bien? Oui. Passez une bonne semaine. Quand même, ils vendent pas mal, par exemple. Je veux dire que ils sont plus nerveux, c'est moins... Évidemment, c'est pas facile avec le gros vent. Là. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais quand même pas mal de pluie. Ouais. On est en train de regarder un peu où est-ce qu'on allait. Écoute, il y a ce secteur-ci qu'on a peut-être moins exploité un petit peu. Okay. Je vais avoir ton avis un peu. Oui, bien, ça doit être comme tu dis, Martin, aujourd'hui, avec le vent qui fait, pis ça, on a des beaux coins dans le brûlé, mais c'est pas des températures pour aller là. J'aurais pensé d'aller dans le coin de la cache à Rosalie. OK. Puis il y a des beaux cassés en arrière, puis je ferai de la chasse fine en m'en revenant vers toi, si toi tu vas dans le coin. Là, tu parles à la première personne, ça veut dire que tu vas rentrer là-dedans? Ben j'aimerais bien ça rentrer avec elle, je peux vous donner un petit coup de main. Parce que tu comprends-tu que t'as un des bocs matures d'Anticosti? Réal, ça fait quand même 30 ans et plus qu'il est sur l'île, qu'il va aller parfaire ton éducation. Moi, je vais plus t'en donner un petit peu, j'ai un petit peu d'expérience. Mais là, c'est d'autres choses, c'est d'autres choses. Fait que tu irais dans un petit jardin dans le fond autour de sa cache. Oui, c'est bon. C'est ça. Moi, je rentrerai par ici. J'ai une petite botte de train de médecine mécanique. Après, on va plutôt au travers du bois, puis on va s'en aller vers vous autres, vers toi, là, dans l'autre train que tu vas être. Là. Parfait, parfait. Nous autres, on va exploiter. Il y a du sale, il y a de l'ouverture. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Ouais. Ça te tente? Oui. Hey, hein? Là, tu me délaisses. On s'en va. On s'en va, chérie. Ouais, on y va. Moi, j'aime ça à Québec. On flush le chien à la maison, on le met ça à la place. Ah ouais, tellement. Ah oui. Wow. Oups. C'est bon. T'en auras plus. Bon, ben, notre idée d'audition de la relève, loisirs, chasse et pêche, c'est ce que ça a donné. Une belle réussite cette semaine. On a eu du fun. On a eu du fun, puis on a d'autres personnes qui ont eu du fun. Ben oui, on a notre principal intéressé qui est là. Rosalie, parle-moi de ta semaine un peu. Hey, j'ai vraiment trippé, puis toutes les approches, puis les différents climats aussi qu'on a eu. Puis ça, c'était vraiment le fun. On pouvait voir la chasse plus difficile quelques jours, puis sinon un peu plus facile d'autres. C'était vraiment le fun, là. Vous m'avez beaucoup aidé. T'es à l'université de la chasse. Considères-tu que t'as appris pas pire cette semaine? Vraiment. Oui, j'ai appris, je trouve, beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis je sais pas si j'aurais appris autant juste avec papa, là, mais... Sûr que non! C'est surtout la différence du continent par rapport à ici. La concentration des signes, la concentration des populations fait que t'as droit un peu plus à l'erreur, puis t'as plus de signes que tu peux te permettre d'interpréter puis de te faire expliquer.
Il y en a un qui les a compris, ces signes-là, qui nous a fait la barbe. Ça valait la peine de retourner sur le chantier. Mais hein, puis ben, c'est un travail d'équipe aussi. Mais effectivement, avec Robin, on est retourné au chantier. Le scope avait bougé un peu. Ça nous a permis, quelques minutes plus tard, de récolter une autre belle femelle. Parfait, c'est une semaine magique. Merci beaucoup. Un total de 3 pour toi. Excellent cuistot en passant. Bon, on te remercie. Donc, on se considère chanceux, Rosalie, d'être tombée sur, on va se le dire, une bonne petite fille comme toi. C'est pas fini, Rosalie, vous allez la revoir assurément parce qu'on a eu beaucoup de fun. Puis la chasse, la pêche pour nous autres, c'est d'abord et avant tout ça, le rapprochement humain. Puis tu nous l'as permis cette semaine, ça a été trippant. Je pense même que si on en appelle un, ils vont venir à la pêche avec nous autres si on décide d'aller faire un tour. C'est pas une invitation, moi, Yolin. Ça conclut une maudite belle semaine de chasse parce que le fun était au rendez-vous. Merci, gang, c'était super trippant. Merci, Martin.